Hello tout le monde, c'est Simbalodé. Aujourd'hui, on se retrouve sur Spyro Reignité Trilogy. Et je suis avec Vador2509. Comment vas-tu, amigo? Eh bien, salut à tous les amis. Oui, ça va super. Je suis content encore une fois d'être sur ce jeu avec toi, quand même. Ouais, donc c'est parti pour l'épisode 6. C'est vrai, sur la dernière vidéo, je n'ai pas dit que c'était l'épisode 5 parce que j'ai oublié. Mais de toute façon, ça fait un moment que j'ai plus joué, donc j'ai un tout petit peu perdu un peu les mémories. Mais voilà, c'est parti pour l'épisode 6. Donc on fait un niveau qu'on n'a pas fait. Et surtout, après avoir retrouvé le dernier dragon, là, et les gemmes de dernier niveau, là, qu'on n'a pas pu avoir. Donc, parti. Wow, mon dieu. Ils rigolent pas, ces ennemis. Ah. Vador, je t'entends plus. Excuse-moi. Ah, je sais pas, je pensais qu'elle est là. Des fois, j'étais ailleurs. Mais... Ah, peut-être faut faire un saut en bondé. Des coffres, cool. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Ok. Ces ennemis ont l'air un peu... coriaces. C'est pour la plateforme, mais je vais regarder quand même là. Merde. Ah. Ah. Il y a encore des ennemis. N'oublie pas de récupérer les gemmes. C'est important. Faut récupérer à 150. Il y en a... Oui, 500, oui. C'est par là? Attends, je vais d'abord ce qu'il y a à l'autre côté, quoi. Parce qu'il y avait un autre chemin aussi. Oui, on va par là. Ah, là, il y a une gemme. Pas vu. Ah, faut recommencer. Des gemmes, mais c'est pas des diamants, ça, normalement? Enfin, moi, je sais que j'ai entendu des gemmes. Des diamants, des gemmes. On dirait un peu la forme aussi dans Super Aventure, parce qu'il l'appelle des cœurs, c'est monde. Ouais, ça ressemble, oui. Alors, pourtant, ça ressemble à des diamants. Oh, j'ai failli tomber. Bizarre ça. Hein. Ouais. Ah, il y a un dragon là. Bon. Ok. Ah, des coffres. Donc. Oula, faut être précis là. Là, c'est un sou précis ça. C'est chaud là. Je sais pas si je vais réussir. Hein. Ah, bah, j'ai raté. J'ai sauté trop tôt à mon avis. Ouais, pas grave. Eh oui, c'est pas grave. Ah, ils ont tous respawné, bon, c'est pas grave. Je le tue, moi. Oh, fou. Ah. Pas grave. Hop. De toute façon, il faut bien des fels, n'est-ce pas? Bon, je recommence. Voilà, j'ai sauté au bon moment. Alors, fais voir un peu l'environnement quand même. Ok, bon, il y a un dragon. Oh, il est pas là-bas. Si, le dragon, il est là. On peut pas l'atteindre, il faut faire le tour. Oh, tu fais le zoom. Désolé. Non, toi, tu peux pas. Toi, tu l'as pas. C'est moi qui peux faire le zoom. Toi, c'est la téléportation. Toi, ça a été remplacé pour le mode. Le mode top. Sur moi, je peux bouger la caméra, c'est mieux. Ça. Ouais, aïe. La clé. Ah. Oh, putain merde. Je fais n'importe quoi. Ah, t'es tombé. Bon bah... Ouais. Alors voilà, je suis à toi. Bon, on prend le spironnet. Ouais. En fait, tu sais, ce skin vient de Crash Team Racing Nitro Fuel. Hein. Quoi, ce truc là? Ouais, c'est le Spyro que tu as. Et le Spyro que j'ai, c'est son original quand il était en train de se créer. Il s'appelait Pete. Enfin, comme ça, il devait être vert à l'origine Spyro, mais à cause de copyright et tout ça d'un autre dragon, c'est pour ça qu'il est devenu violet quoi. Et ça, c'est ses couleurs de concept quoi en fait. Oui, ok. Simba. Ah, si, on sait par là. Ouais. Et là, ça va, on joue bien. Hein. On les a tués, ces ennemis?
Vas-y, fais voir. De toute façon, tu peux te téléporter vers moi. Je crois qu'on les a tués quand même, ceux-là. Non, il faut que tu craches du feu. Bon, je vais le faire. Ça sera plus rapide. Ah bon. Oh là, il m'a eu. Il m'a poussé, je suis tombé. Ah bon. Ça fait deux fois que t'es mort en plus. C'est pas grave. De toute façon, on a tellement de vie. Mais pas grave. On va faire du spin run là. On va aller rapidement là. Voilà. Et sur voilà. Ah, sérieusement. Ah, sérieusement. Des fois, je gère mal des sauts. Voilà. Oh. Ouais, ces ennemis sont un peu plus coriaces que je pensais. Moi, je peux passer, moi. Moi, je peux pas passer. Bon. Voilà. Bon, ah, t'as un petit champignon là. Il est par là, mais il faut trouver un autre chemin, en fait. Il faut regarder la carte, à mon avis. Bon, allons par là. Ah, bah, il y en a un, là. L'autre, il est l'autre côté, en fait. Bien en fait les dragons. Ouais. Tu as un conseil avant la bataille? Un conseil avant la bataille? Un vieux sage m'a dit un jour de viser haut, mais de faire attention aux balles volantes. Ouais. T'es toujours là? Oui, c'est vrai, j'ai écouté. Hein. Ah oui, c'est vrai que t'écoutes. C'est vrai que t'écoutes les cinématiques, toi. C'est ça, t'écoutes les cinématiques. Ouais, oh, tu t'es fait toucher. Hey, il retourne ici, lui. Faut le poursuivre. C'est un mini-boss. Ouais, en fait, c'est ça. C'est lui que tu parles, en fait. Moi, je crois que c'est lui, ouais. Oh. Ah, il y a comment qui peut le faire ça? Ok, prépare-toi de téléporter dès que tu es au sol. Ah, c'est bon. On l'a eu. Ouais, c'est bien ça. Par contre, Wade, il faut trouver l'autre dragon pour avancer. On regarde la flamme en bas. Alors. On retourne à la maison. Si je me rappelle bien, le dragon doit être quelque part par là. Là où je regarde ma carte, je suis dans la bonne direction. Donc il faut y retourner, quoi. J'aime toujours Spyro. Ouais, c'est toujours mon deuxième personnage préféré, quoi. C'est ton deuxième personnage préféré? Ouais, juste en fait, avant Sonic. En fait, t'aimes bien les personnages avec les ennemis, toi, on dirait. Ouais. Pas pourquoi t'aimes ça. Ouais, bon, il faut... Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Faut faire les combats avec des animaux, toi, on dirait que t'aimes les animaux. Bah, la plupart des jeux combats que j'ai joué, c'est un peu entre animaux et tout ça. Il faut trouver un moyen après, de descendre cette plateforme. Après, les jeux voitures, c'est des humains. Ouais. Enfin, il y a quand même des jeux de cartes, quand même. Tu vas tomber. Eh, hey, c'est ce que je trouve. Bah oui, je voulais aller dans le petit truc. Je voulais aller dans le petit truc, mais bon, ça marche pas. Bah toi, tu peux faire essayer sans qu'on meure, quoi. Enfin, vous forcez pas à nous abonner à la chaîne, les gars. Les amis, quoi, je dis toujours. Tu dis encore ça? Je fais plaisir à Simba. Non, mais c'est juste, voilà. Je veux pas être comme ces youtubeurs qui disent que forcez-vous à vous abonner, quoi. Comme tous les youtubeurs disent, quoi. Ouais. Pourquoi tous les youtubeurs disent ça? Ah merde, je pensais que j'étais là. Ah mince. Pas grave, toi tu meurs pas, donc ça va. C'est surtout toi qui meurs. Ouais. Moi, bon. Je sais pas pourquoi je peux pas mourir. Bon, il faut trouver un moyen de descendre cette plateforme. Car je crois que c'est là pour y aller jusqu'à ce dragon-là. Ah bah,
Oh bah mince, on peut même plus passer par... Ah si, là, faut placer sur cette plateforme. Ouais, il faut trouver un moyen peut-être la descendre. Je ne sais pas où, mais... Ça va être encore un jeu de cachette. Ah bon. C'est où? Bah il faut trouver peut-être un petit joker là, enfin c'est une sorte d'ennemi idiot là, qui... il y en a un qui fait baisser ce truc à mon avis. Ouais. Ouais c'est ça, il faut, le... faut trouver un qui fait baisser le truc en fait. Il est encore tombé là. Ouais. Oh Padrel. Oh. Des fois il faut pas charger en fait. Ah. Ah mais il y avait une quête là qu'on avait manqué là. Hmm. Donc c'est de là, donc il doit en avoir un quand même quelque part ici alors, ça veut dire. Enfin, tiens, donne-moi ton truc. Moi ton petit truc en fait. C'est qui fait comme ça avec ça. C'est Sparks quand il mange là. Sparks c'est qui? C'est la petite bibule, hein. Ah oui, d'accord. C'est... Ah, la petite bibule qui est avec Spirou, là. Ouais. Ouh. Je vais te suivre comme ça. Ouais. Et ils ont carrément mis la voix de Sonic. C'est cool. Parce que je trouve que Spirou est bien avec cette voix. Ah bon, tu trouves? Oh! Ah, crap! Ah, mince. Tu vas mourir, là. Ouais, je vais mourir. Je pouvais pas remonter. Ah. Ça, on retourne là. Ouais. Ah non, mais en fait, on rembasse ses ennemis en fait. Bon, après, je sais pas. Hein. Ah ouais, c'est un peu nul en fait. Hmm. Ah, oh, de toute façon, il faut que. Je sais pas si. Vraiment, je pense qu'il faut trouver tous les dragons avant de penser au... à l'autre monde en fait. Il doit avoir un... Je sais pas, il doit avoir quelque chose pour le faire descendre. Ouais. Allez, esquivation. Yeah. Ouais. T'as vu ça? Ah, les ennemis sont pas respawnés là. Ok. Bon, c'est cool. Cool ça. Vous avez vu les amis, comment on joue bien moi et Simba? Oh là, je suis quand même mort 3 fois, hein. Ouais, oui, c'est vrai. Mais ça va, on joue bien quand même, hein. Ouais. Tu sais pourquoi j'ai dit les amis? Parce qu'il y a un youtubeur qui dit ça. Ah, ok. C'est ça que je dis du coup les amis, là, du coup, là, vu qu'il y a les abonnés qui regardent, bah je dis les amis. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est lui, là. Vas-y. Je crois que c'est lui qui fait descendre le truc, non? Et comment tu vas faire, c'est trop haut? Non, oh, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait bouger? Il y avait un truc qui l'avait fait bouger. Ah, c'est pour récupérer le dragon là-bas? Ouais. Désolé. Ouais. C'est toi peut-être? Ah, ça redescend. Non, c'est lui! Ok, j'ai compris. Allez, vite! Voilà. C'est bon, j'y suis. Attends, on va attendre qu'il remonte. Ah, ok, c'est bon, on l'a trouvé, les gars. Ah oui, vous avez des amis? Ça va, alors on a géré. Alors, oh. Voilà. Merci de ton aide, Spirou. Ça que. Voilà. On a dragon tous trouvé. Ah, il y en avait que 2. Ouais. Ah, tiens, nouvelle session. Ah, il y en a 2. On commence par lequel? Faut toujours sauver les dragons dans le coin. Ouais, mieux faut aller par là, par contre. Oh, efficabis là. Waouh. Faut faire un vol plané. Oh, ok. Mais je vais d'abord faire en dessous. Je vais d'abord faire en dessous. Tu dis toujours efficabis ça. Bah quand quelque chose me surprend ou tout ça, je dis ça. Ou quand j'arrive, ah bah, je vais dire j'arrive pas à croire un truc. De toute façon, tu dis toujours ce mot. Bon, je le dis pas tout le temps, mais ça arrive. Ouais. Allez, hop. Ah bon, allez. Bon, j'en ai pas eu, j'ai pas eu le dernier. Et on y va. Hop. Peut-être je vais faire comme ça.
Je vais mettre la caméra comme ça parce que comme ça j'ai une idée. Attends à toi. Et je l'ai eu, voilà. Hein? Toi, qu'est-ce que tu donnes? Ok, tu donnes ça. Oh là, il est rapide lui. Il reste en 15. Ah là, c'est les derniers là, à mon avis. Ça, non? Non, pas ça. Vol planer jusqu'à là? Je sais pas si c'est possible. Bon, je crois que c'est ça, hein, s'il y a rien du tout. Je regarde bien quand même s'il y a rien. Non, il y a rien, donc il faut faire un vol planer. Ok. Pousse-toi un tout petit peu, faut que je sois un peu au milieu. Voilà, merci. De rien. Je crois que j'ai un peu sauté trop tôt. Non, c'est bon. Il est. Et voilà. Et on a terminé le niveau à 100% les gars, voilà. Comme vous voyez. Voilà. Bon, après, il restera un niveau dans ce monde, mais je le ferai hors vidéo parce que c'est un niveau de vol. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'on peut aller dans l'autre monde maintenant. À un moment, t'es obligé de le faire, le niveau de vol? Oui, bien sûr, si je veux essayer de le finir à 100%, le Spyro 1. Après, un jour, on fera le 2 ou pas? Bien sûr, mais je voudrais te faire tester un mode niveau après qu'on l'aura terminé, celui-là. Voilà. En plus, t'as dit, c'est un truc que j'aime. Bah, t'aimais bien, ouais. J'aimais bien, parce que j'aime plus. Bon, après, si... Bon, après, on peut faire comme ça. Après, on peut retourner comme ça. On peut retourner comme ça. Ouais, ça, pour ça au moins, on peut se téléporter. Ouais, voilà. Au moins, on peut se téléporter une fois qu'on a mis un niveau, quoi. Bon, toi, t'es toujours... L'aventure continue. Voilà. Ah, pardon. Excuse-moi. Vas-y. Voilà. Oh, on s'en fiche des ennemis, là. Et tu retournes ici? On juste récupère une vie, voilà. On s'en fiche des ennemis, allez. Je t'ai fait tomber dans le vide. Hop. Voilà, il est par là. Il est par là. Ouais, voilà, là tu vois, il y a un niveau là, mais c'est le vol de nuit là. Enfin, c'est le vol de glace, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus. Et voilà. Bien joué, Spyro. J'espère que tu sais ce qui t'attend encore. Le monde de Gnasty n'est pas l'endroit le plus sympathique qui soit. Tu es prêt à y aller? Ah ouais, c'est le dernier monde, ça, je crois. Ouais, on est déjà à la fin. Ouais. Le monde Gnasty, là. Gnasty, c'est un boss ou quoi? Oui, c'est le méchant principal. C'est... Comment il est, Gnasty? Parce que je crois que je le connais pas. Bah, tu le verras si tu le vois. Je vais te dire si c'est lui ou pas, déjà, parce que... On va dire, je voudrais peut-être essayer de terminer le jeu avec toi, tu vois. Ouais, bon, moi, ça va. Allez, ah, c'est là, nouveau le boss. Monde, nouvelle chose. Comme toujours, je le dis. Ah, bah, il y a déjà un dragon juste en face. On voit déjà le libérer. Hey, je t'ai pas déjà libéré? Tu es dans le monde de Gnasty, Spyro. Et c'est toi le... Il y a le son qui bug un peu quand même. Hein? Ils viennent, je suis prêt. Il y a le son qui bug un peu. La sortie dans chaque territoire de... Mais ça va, t'arrives? Et tu pourras défier... Oui, ça va, j'arrive à jouer. C'est le jeu qui bug pas. C'est pas le jeu qui bug, c'est un peu... Quand il part. Ah ouais, le son bug un peu chez toi. Ça va, t'inquiète. Je t'emmène? Non, je... Non, je veux la jette. Hop. Ah, quel nul. Bon, c'est pas grave. Les rats, là. Ouais, c'est bon. C'est ça qui permet de régénérer la santé. Alors, fais voir. Deux dragons et 200 gemmes. Oh, il y en a pas beaucoup, mais c'est normal parce que c'est le dernier monde, donc peut-être c'est normal. Ouais, alors... le dernier monde, ils en ont pas beaucoup. Où est passé le dernier? Ah, on dirait... C'est tout? Ah, peut-être il faut faire les niveaux un par un, en fait. C'est pour ça. Parce que ça doit être peut-être des choses, ouais, parce que je vois sur la map. Donc ça doit s'ouvrir à un moment donné. Donc, bon. On regarde bien si on a quand même rien manqué, quand même.
Non, c'est bon, je pense qu'on n'a rien manqué. Bon, allez, c'est parti. Crique de corne, ok. Là, encore 112. Mais je sais, hein, de toute façon, quand on change de niveau, ça doit être toujours être comme ça, de toute façon. Mais heureusement, des fois, on passe du temps dans les niveaux plutôt que de... C'est cool, en plus, on est dans le dernier niveau. Dans le dernier monde, tu veux dire. Ouais, dernier monde, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, c'est pas grave. C'est bas. Ouais. Là, du coup, on pourrait... Non, on peut pas t'appeler Spiro, toi, c'est toujours Simba. Bon, après, bon. Toi, tu voudrais t'appeler quoi d'autre, aussi? Oh, moi, c'est Vador. Ouais, voilà. Restons avec nos noms de YouTube, hein, quoi. Mais non, c'est okay. Bien que moi, je préfère okay, Vador. Ok, toi, tu fais quoi? Au départ, je me rappelle, tu voulais pas m'appeler Vador. Bah, parce que je t'appelais Dark Vador, parce que c'était comme ça que tu t'appelais avant. Et après, j'ai mais commencé toujours. À t'appeler Vador tout court, parce que je faisais que c'était plus court. Tu dis avant, mais tu me pètes toujours Vador, qu'est-ce que tu dis? Bah, je sais pas, c'est toi qui me le dis. Tu m'appelles toujours Vador, comme toi. Tu veux toujours qu'on t'appelle Simba, mais toi tu m'appelles toujours Vador. Oui, non. Tu sais quoi, je crois qu'on n'a rien compris tous les deux. Ah ça. Mince. Je croyais que c'était qu'à ça pour quelque chose, mais bon. Faut trouver ouais, les dragons. Ouais. Ok, ça sert à quelque chose, ça. Oh, on dirait Crash Bandicoot. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce qui est écrit sur celle-là. TNT. TNT, je vois pas. Là, rien. Ah ouais. C'est une TNT. Une référence à Crash Bandicoot avec les caisses explosives. Normalement, tu sautes dessus, voilà, et hop, ça active le truc. Ah ouais, quand Crash, il saute et après, il casse les... Yes, ouais. Ils sont marqué TNT Spyro. Aussi. Ouais, avec Spyro, tu craches juste du feu et hop, ça explose. Tu vas te battre. Tu veux te battre, Simba? Tu veux te battre? C'est plutôt pas se battre, ça. Ça, c'est plutôt une esquive. Non, attends. Je sais pas si on peut le faire dans ce jeu. Ah merde, je crois qu'on peut pas. Merci, Dora. Oui. Enfin, essaye. Si tu sais quoi? Essaye de me foncer dessus. Regarde, je vais esquiver. Vas-y. Tu sais qu'il y a un ennemi derrière toi. Donc, je vais me le prendre. Ah merde. Ah, il faut se prendre ça. Il faut se prendre ça. Voilà. Voilà, allez, vas-y, tu peux faire maintenant. Ah merde! Alors, il est pas encore mort! Il est pas encore mort. Vas-y, vas-y! Ouais, si tu veux un petit amusement. Un petit truc de télé. Ouais, esquivation. Ouais. Bon, bien alors, fait, c'est quoi hein. La suite? Excuse-moi, les amis, parce que des fois, on s'amuse un peu à faire ça. Bah, dès qu'on aura fini, par exemple, le 1, peut-être on fera des petits épisodes bonus. C'est-à-dire pour les modes, tu sais, s'amuser avec les modes ou tout ça. Alors, bon, on voit pas très bien, mais bon. Il y a un dragon là. Je crois que le jeu a planté. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais il y a un dragon là-bas. Ah, t'as eu un problème? Hein? T'as eu un problème, Vador? Tu veux qu'on fasse une coupure? Je crois qu'il y avait un bug là. Ouais, bon, on va faire une coupure. Bon, bon les gars, Vador a un problème, donc on va faire une coupure. À toutes. Toutes? Au départ, je t'entendais plus. Re les gars, donc voilà, on a résolu le problème de Vador, donc il a eu un petit problème avec Pac-Sec. C'est moi qui ai eu un bug les amis, pour tout vous voilà. Dire. Donc mais voilà. De toute façon, on joue avec Pac-Sec, donc c'est normal pourquoi ça peut faire des bugs des fois avec Vador. C'est la connexion internet ou des... Ah ça va, là ça bug pas. Donc là c'est ça reparti. Va. Bon, il y a cet ennemi là. Ah ça c'est cassable par contre. Ah non c'est une TNT, ok. Oh boy. Attention à pas te confondre avec Ouh de justesse. Ah. That was a close one. Désolé, c'est ma faute. Ouais. On va passer par là. Ah, il y a un dragon là-haut. Ouais. On va passer par là. Toi, t'as moins de risques. Ah bon, ouais, si. Hey. Allez, drague. Continue comme ça, Spyro. Gnasty doit commencer à te trouver vraiment inquiétant. Je tremblerais dans mes bottes de Gnork si j'étais lui.
La voix de Spiro, quand même, elle est bien. Mais là, t'as pas eu de bug d'audio, là? Ah, là, il n'y a pas eu de bug. Pourquoi? Ah, bah voilà. Ok, voilà, parce que ça a commencé à partir de là, en fait. Hop. C'est mort, sinon. Bon, je voulais juste revérifier à nouveau, quoi. Par là, plutôt. Je préfère mieux être le plus haut possible, on sait jamais. Hop. Tu peux appuyer sur Y pour arrêter ton vol quand t'es en l'air. Tu vois, t'appuies sur Y, voilà. Et tu fais ça. Tu peux t'arrêter comme ça. Alors. Alors, soit l'ennemi, soit ça. Hop. Mais lui. Bah, voilà. Bravo, poteau. Pourquoi tu fais à chaque fois? Non, mais j'ai fait en comptant. Faut dire voilà. Ça veut dire oui, je crois. Ouais, voilà, merci, ou quelque chose comme ça, je fais voilà. Toujours ça, toi. Et hop. Oh putain, je l'avais tombé là. Oh, excuse-moi. Ah. Excuse-moi, c'est toi qui m'a... Ouais, je voulais le tuer, mais tu l'as tué plus rapidement que moi. Bah, ouais. Non, mais je regarde toujours, hein. On sait jamais si on a rien loupé. Ah. Eh. Alors, fais voir ça. Ok. Ok. Oh là, tu m'as poussé à cause de la téléportation. Mais ça va, je suis pas tombé. Ouais. On fait quoi là maintenant? Bon, toi tu as fait comme ça. De toute façon, toi tu peux pas mourir comme ça. Ou si, je sais pas, mais bon, tu réapparais juste après, mais ça résonne pas, quoi. Ça, c'est plus... Non, ça suffit pas. Ah, ok, c'est là. Il faut utiliser celui-là, là. Pour y ouvrir la caisse. C'est où la caisse, wesh? Bah, tu l'as pas vu, le coffre? Enfin, le coffre, plutôt. Non, enfin, je veux dire, le tuyau. Le tonneau, ouais. What? Non. Ah, bah t'es tombé. J'en ai tué, mais bon... un coup, ça disparaît, un coup, ça apparaît, en fait, j'ai cru quoi. Ah oui, mais en fait, ça dépend de moi, en fait. Ça me rappelle les niveaux de Crash Bandicoot, ça. Elle m'a sauté sur les tuyaux, là. Vas-y, ça me rappelle les niveaux de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Ouais, ça me rappelle des niveaux où il faut te sauter sur les tuyaux. Je crois que c'était dans les premiers niveaux, Crash Bandicoot 1 par exemple. Je m'en rappelle un des niveaux. Là. Ce. Le fail. Je savais même pas que c'était un. Un TNT, ouais. Ouais. C'était un TNT. C'était pas marqué. Faut chercher là. Hein. T'es sûr que c'est le dernier niveau ça? Non, je crois pas que c'est le dernier niveau. Tu sais que tu peux marcher aussi. Regarde, tu mets doucement enfin, je le dire, joystick. Le... Enfin, je voulais dire, c'est le dernier... Enfin, je veux dire, t'es sûr que c'est le dernier monde, plutôt. Ouais, je crois que c'est le dernier monde, ouais. Tu sais que tu peux marcher, hein. Regarde, tu fais doucement. Regarde, moi, je marche, là. Tu vois, ouais. Allez, continuons. Hop. Ouais, c'est perte de temps. Ah, attention. Voilà pourquoi je t'ai dit d'appuyer sur Y. Ah, j'oublie souvent, désolé. Ouais, c'est pas grave. Ah, je suis vraiment une merde. Mais c'est pas... Pourquoi tu dis toujours que tu fais juste une toute petite erreur? Parce que j'arrive pas à trouver depuis tout à l'heure. Mais c'est pas... Allez, maintenant je fais encore. Je fais encore de la merde. Allez, arrête, Ador. Y'a rien de mal après toi. On est ensemble, de toute façon. De toute façon, j'ai des tas de vies, hein. Regarde, j'ai des tas de vies. De toute façon, tu peux mourir plus de 60 fois, ça me gênera pas. Pousse-toi. En fait... Sérieux, tu m'as... Ah, pardon. Ah, je te frappe avec ça. Désolé, mec. Je pensais pas que c'était tes ralliés, quoi. Bon. C'est vrai que ça, c'est l'avantage d'être en deux joueurs. Là, c'est l'avantage, ça. Ah, un dragon. Ah, voilà, ouais, un dragon. Je n'espérais plus de secours, surtout de la part d'un petit dragon. Ce que je voulais dire, j'ai toujours cru en toi, Spiro. Et tu fais bien. Tu fais bien. Encore des ennemis.
tuons d'abord les ennemis, quoi. Ah, bah on est tous les deux. Ça peut servir à quelque chose. On se renvoie la vie de Spyro ou pas? Ouais, en fait, tu vois, ce Spark, à tout moment, il est bleu, le mien. En fait, c'est ma vie, en fait. C'est-à-dire, on se fait toucher 4 fois, on est mort, quoi. Et il change de couleur, en fait. Il change de couleur et au dernier... Et quand c'est bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste, je crois, 2 points de vie, je crois. Et si, et à la fin de la couleur, quand t'as presque plus de vie, ça met quoi? Après, il met vert, et après, il disparaît, et si je me fais encore toucher, bah, je suis mort. Parce que c'est la sorte de bestiole, en fait, qui... C'est de la vie, c'est ça, la vie? Ouais, c'est ça qui m'indique la vie, en fait. Moi, dans les jeux de guerre, c'est d'autres genres de vie, c'est pas ça. Oula, TNT. La vie, c'est, tu sais, avec la ligne barre, là, je pense que tu vois ce que c'est. Ouais. C'est souvent ça quand je joue à des jeux. Halo, c'est d'abord. Même pas trop. Ah si, c'est de la vie, c'est vrai. De la vie avec la ligne barre. Ouais. Ah là, il faut une clé, là, par contre. Là, il faut une clé, par contre. Ouais. Dans ce coffre. Attention à la TNT. Là, par contre, là, on peut la voir, là. Ouh. Alors, par là, il y a quelque chose, là. Ouais, des coffres. Faut combien des gemmes, là? Hein? Faut combien des gemmes, là, en fait? 400. Mais attends, l'autre, il fallait... Attends, mais l'autre... En fait, l'autre monde, l'autre niveau, elle a même pas fini à 100%. Oui, mais peut-être il faut faire d'abord les niveaux avant de faire les autres, en fait. Peut-être que ça fonctionne comme ça. Je peux, là? Oui, je peux. Attends. Ah, essaye, tiens, voilà. Si je tombe, ça fait rien. Ouais. Ah, bah voilà, j'ai réussi, tiens. Ah, la maison est là. Y'a pas les derniers dragons, on les a tous sauvés ou? Ouais, on les a tous sauvés, je crois. Oui. Mais il reste encore des gemmes, donc on va y retourner. Ah, on peut pas y retourner. Juste alors. Si, non, je sais pas. Si, bah, si, on peut y retourner, non? T'es sûr? Moi, je peux pas sauter là. Hein. Non, de toute façon, je vais tomber. Non, non, c'est quoi au pire, laisse tomber. Ouais, je reviendrai. Hop. Mais je retourne à la maison. Bah, on va dire, je sais pas où aller par là, par où. Après, celui-là, on l'a pas terminé à 100%. Ouais. Ouais, faut que tu recommences ça, bien sûr. Tu vois, regarde, t'as vu? Quoi? Le deuxième niveau, c'est ouvert. Bon, on va dire, on fera peut-être un dernier niveau et après on fera les deux derniers ensemble dans l'épisode 7. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ah ouais. Tu veux qu'on s'arrête là ou on fera les derniers niveaux comme ça? On peut faire vite fait les derniers niveaux et après on arrête. On fait le dernier niveau là? Ouais, et après on arrête. Ok. Allez, c'est parti pour le dernier niveau là, de cette vidéo. Voilà. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous plaît hein, quand même des fois. Bah, c'est Simbaloudé qui devait dire parce que c'est sa chaîne, c'est pas le mien non. Oui bah des fois je dis aussi, des fois je peux un peu m'arriver de dire que je dis mais j'espère que vous plairez cette vidéo. Joli coucher de soleil par contre. Ah ouais. Oula, il a un minigun lui. Une machine. Ah ouais, ah ça j'aime bien. Ah oui j'aime bien ça. En fait, c'est un sort de mini-quin. Eh hey, parce que je chouche, je suis perdu, là. Alors, il y a quoi? 2 dragons et 400 gemmes. Ok. Oula, c'est quoi cet ennemi, là? Il y a quelque chose, là. C'est ennemi, là. Bon. Alors, vie. Une vie supplémentaire. C'est toujours plaisir. Attention à pas tomber dans la lave.
Alors. Oula, encore un avec sa machine là. Aïe. Mais. Ah, mais. Je me fais que toucher, je suis une merde, putain. Pourquoi tu. Ouais, tu t'énerves facilement comme ça quand il y a un truc comme ça. Bah, un peu, des fois, parce que c'est. Des fois un peu énervant. Ah! Ah, bah, c'est là, je vais pas fait toucher enfin. Non, là, tu t'es pas fait toucher cette fois. Ah, premier dragon. Ah, là par contre, il faut avoir quelque chose. Faut une clé, je crois. Non, faut pas une clé, faut le détruire. Faut le détruire là. T'es sûr? T'es sûr? Oui, je reconnais les coffres. Hein. Quand c'est comme ça, c'est qu'il faut les détruire avec quelque chose et l'autre, des fois, ils vont avec une clé. Merci de m'avoir secouru. Merci de m'avoir secouru. Eh, hey, tu te rappelles le tout premier dragon qu'il faut sauver? Ouais. Tu sais, à un moment, tout au début du jeu, tu peux déjà sauver le premier dragon. Ouais. Tu l'as fait, toi? Bah, bien sûr. Tu sais, à un moment, quand il dit « je vais m'occuper de lui », là. Oui, hein. C'est ce qu'il disait dans ce passage, au début. Et pour faire ce qu'il se mord. Pour faire ce qu'il se mord, je vais m'occuper de lui. Ouais. Et il part du truc qu'il avait, là. Bah, le méchant principal, voilà. Ouais, alors qu'il dit, alors l'autre, il dit tout, sauf d'abord les dragons. C'est ce ouais. Que je te demande. Ouais. C'est peut-être à la fin, tu vas te gagner un style ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est ça. Et tu m'as dit que c'est juste pour le mettre les flammes. Ouais, il faut juste le tuer avec les flammes, ce que j'ai entendu. Peut-être dans Spyro 2, il y a peut-être plus de boss alors. Ah, là, il faut une super charge. Là, il faut une super charge. Tu m'as dit qu'il y a plus de cinématiques. Ah, et en plus, il y a un dragon là. Ouais. Es-tu sauvé? Attention au commando Gnork, Spyro! C'est plutôt à eux de faire attention. Il s'appelle carrément Spyro. Là, il y a une, ah. Y a une charge là. Il va y a souvent des passages que t'aimes avec qui commencent par un S. Oui, c'est vrai. J'aime bien les personnages qui commencent par un S. Je dirais que c'est ton personnage, c'est ta lettre préférée. Oh. C'est le dernier dragon qu'on a vu ou pas? Moi c'était le dernier dragon, je crois. Ouais. Donc si on trouve pas les gènes, on pourra terminer là, quoi. Le but c'était sauver les dragons, normalement. On peut sauter là? Ah non, mais il faut la supercharge aussi, ouais. Donc je vais essayer de refaire la supercharge. Un petit saut de garde quand même. Voilà. Bah oui. Petit saut de garde, on sait jamais si je meurs. Voilà. C'est reparti. Hop. Voilà. Hop. Wow. Ouh, j'ai failli tomber. Ok, c'est bon. On a récupéré les gemmes ici. Donc on peut repartir. Récupérer d'autres. Ouais. Hop. Okay. Voilà. Alors des ennemis encore. Ouh. Attention. Ah, je sais pas, c'est des minigames. En fait, c'est même pas des feux, c'est ils ont carrément des minigames avec des sortes de fruits violets là. Ouais, des boules quelque chose. T'imagines si c'était de la moue violet, ce serait dégueulasse. Peut-être, ouais. Moi j'aurais envie que ce soit des armes comme ça, mais pas avec des trucs violets, ça sert à rien. Ouais, mais là on est dans un jeu Spyro. Ah mais ils sont des jeux par comme ça, mais souvent des minigames avec des... Il y avait des armes aussi. Il faut que tu sautes, mec. Il faut que tu sautes, mec. Dès que le truc il est sorti, il faut que tu sautes. Comme ça, regarde. Comme ça il faut faire pour les récupérer ceux-là. Regarde. Faut faire comme ça. Regarde. Faut que tu sautes, quoi. Ah, t'as pas assez. Toi, tu peux pas, peut-être. Non, toi, peut-être, tu peux pas les récupérer. Ouais, peut-être, tu peux pas les récupérer. Enfin, moi. Ouais, au moins, tu peux quand même les toucher un peu, mais bon. Oui. Ah. Ah.
n'importe quoi, hein. Bah, tu t'es fait avoir, c'est tout. La chance, là. Hein. Oh, heureusement, j'ai plané. Non, j'aurais été touché. Ah, retour à la maison. Ouais. Et c'est pas beaucoup, là, par contre. Déjà. Ouais, il en reste encore 30. Il reste 30 gemmes. Enfin, je sais, parce qu'en fait, il y a le petit coffre, là. Allez, pour les dernières minutes. Il reste 30 minutes. Ouais, mais c'est le dernier coffre. Là, le petit coffre. T'as vu, là, le petit coffre qui était tout à l'heure? Bah oui. Donc, il faut trouver un feu d'artifice, je ne sais pas quoi. Oh, j'ai brûlé quoi? D'accord. J'ai brûlé quelque chose, mais... Donc, il faut regarder. Allez, les dernières minutes de la vidéo, on va essayer de trouver assez rapidement, quoi. Je vais y aller doucement, quand même. Il doit y avoir quelque chose, quoi, pour détruire ce coffre. À moins que... Ah si, peut-être, je sais. La supercharge. Faut que je me rappelle aussi que la supercharge peut casser aussi. Aïe. Faut casser aussi ce coffre. Donc, je vais essayer. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Je vais essayer. Si je sais où, je me rappelle où est le coffre. Je vais essayer. À moins que... Il y a le truc là, donc... attends. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ouh. Ah. Pas une fois lié. Ah, mais c'est pas les derniers en plus. Ah, zut alors. Il en reste quelques-uns. Bon, moi j'ai eu le coffre. Bon. Essayons de trouver les derniers. Vas-y. Tiens, c'est pas grave si ça dure un peu trop longtemps. Voilà. Ah, les voilà, les derniers. Là, j'en vois d'autres là. Et voilà, ça y est. Allez, à la maison maintenant. Terminé à 100%. Ouais, et voilà. Allez. T'as pas brûlé la maison? Oui, je sais, il est tout là-bas. Bon, allez. On va dire, on va faire une petite balade, quoi. Hein? Vas-y. Je sais qu'on peut se téléporter directement, mais allez, pour finir la vidéo normalement, je vais juste faire vite fait, quoi. Hop. Bon, je sais pas pourquoi je saute. Hein. Je vais sauter moi aussi. Et voilà. Et voilà la maison. Et voilà. Je vais quand même te faire revenir pour la fin de la vidéo, quand même. Parce qu'on va pas faire sans toi, quand même. Oui. Voilà, pour faire un beau pour à la fin. Reprends ton skin, quand même. Voilà, pour faire la fin. Donc voilà, bon les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, et on vous dit à une prochaine fois. Adios. Salut les amis, à la prochaine.